De nombreux Français ont suivi avec attention les nouvelles annonces faites ce jeudi 18 mars à 18h par Jean Castex alors que la France traverse une troisième vague de l'épidémie de Covid-19. Le Premier ministre a notamment annoncé la mise en place d'un confinement d'au moins 4 semaines en Île-de-France et dans les Hauts-de-France dès ce week-end. Un nouveau coup dur pour les habitants de ces régions qui vivent avec des restrictions depuis un an maintenant. Ingrid Chauvin n'a pas manqué de réagir à l'actualité sur Instagram où elle a adressé quelques mots d'encouragement à ses fans qui subissent encore les contraintes liées au Covid-19. Elle a partagé deux citations afin de tenter de remonter le moral de ceux qui sont abattus par ces mesures. On apprend à être heureux quand on comprend qu'être triste ne sert à rien, mais également, l'espoir est ce qui nous fait tenir, lorsque tout semble perdu d'avance, a-t-elle noté en légende d'une photo d'elle qui semble extraite d'un shooting professionnel. Voilà de quoi aider ses abonnés à relativiser en ces temps difficiles. Les internautes n'ont d'ailleurs pas manqué de la remercier chaleureusement pour cette délicate pensée. Je suis tout à fait d'accord, bonne journée douce Ingrid, bien dit, tellement vrai, peut-on lire dans les commentaires où la star de Demain nous appartient a également reçu une avalanche de compliments. Une invitation au voyage qui laisse rêveur très active sur Instagram, la veille CIST, une belle invitation au voyage que proposait la comédienne de 47 ans aux 400 000 personnes qui la suivent. Elle a publié une série de photos du lac Camecuaro situé au beau milieu de Michoacán au Mexique. Un endroit merveilleux qu'elle rêverait de pouvoir un jour visiter lorsque l'on pourra à nouveau voyager à l'autre bout du monde. Pure beauté. Voilà un endroit que j'aimerais voir un jour, a écrit la maman de Tom afin d'accompagner les clichés de cet écrin naturel où se côtoient eau cristalline et végétation luxuriante. Après tout, il est encore permis de rêver.